بلتي جبل جبلتي نقل أستني جري نيومي يو فجر لدي تبانيا ناقي دمني مناني كسوني فواقي فنيو صغلن جدو بس لخو خير نفس صغل دمالي يس كنو ردو موكس de voir le candidat Ibrahima Fall vous présenter son programme de gouvernement. Je voudrais d'abord vous remercier toutes et tous d'être venus nombreux participer à cette cérémonie de lancement du programme de gouvernement de Tahotep. Mes remerciements s'adresse tout d'abord aux candidats qui ont bien voulu honorer de leur présence la présente cérémonie. Je n'ai pas vu tout le monde, mais comme je suis arrivé avec Moussa Touré, je me permets de le singulariser avec l'espoir que les autres ne m'en voudront pas parce que tout simplement, je suis à un endroit où tout le monde me voit et je ne vois personne. Je voudrais aussi remercier les représentants des candidats, les représentants des formations politiques, les représentants des organisations de la société civile, les représentants des organisations citoyennes, les représentants des institutions et autres organismes de représentation. Bref, je voudrais dire à toutes et à tous merci et tout naturellement en particulier aux jeunes, aux femmes, aux personnes âgées de Tahotem et à tout le monde. Merci encore une fois. Excellence, Mesdames, Messieurs, le 9 juin 2011, au cours de la cérémonie d'officialisation de notre candidature, il avait été annoncé qu'un programme de gouvernement assorti de 111 propositions d'action serait, le moment venu, soumis à l'appréciation de nos concitoyens. Et la réunion d'aujourd'hui, à laquelle vous nous faites l'honneur d'assister et d'en rehausser ainsi la solennité, vous offre l'occasion publique de connaître ce programme, du moins dans ses lignes générales. En effet, le programme est quelque peu touffu,
il se présente de cette manière, et si on devait le débiter, je crois qu'on en aurait encore jusqu'au Ramadan prochain. De toute façon, ce programme sera accessible dans les prochains jours sur le site du mouvement Tahawtem, www.ibrahimafal2012.com. Excellences, Mesdames, Messieurs, notre programme de gouvernement tourne autour de quatre principes d'action. Rassembler les patriotes, réhabiliter les valeurs, restaurer l'état de droit, relancer le développement. Rassembler les patriotes, c'est d'abord décliner un programme dans lequel se reconnaissent ceux et celles qui font partie du peuple des Assises nationales, qu'ils aient participé directement ou indirectement aux délibérations et aux conclusions, ou qu'ils aient simplement adhéré à ces conclusions. C'est s'identifier à l'œuvre remarquable réalisée par des Sénégalaises et des Sénégalais de toutes origines et de toutes catégories sociales, originaires de différentes régions du pays ou de la diaspora, et qui ont mis leur expertise, leur expérience, leur vécu et leur engagement collectif pour jeter les bases d'un Sénégal nouveau, marqué du sceau de la modernité, de la démocratie, de la justice sociale, de la bonne gouvernance et du développement humain, tout en respectant les valeurs cardinales de notre patrimoine culturel. À cet égard, le programme Tahawtem se veut respectueux de la philosophie des Assises, de l'esprit de ses conclusions et de la lettre de la Charte de gouvernance démocratique. Rassembler les patriotes, c'est aussi, dans le prolongement des conclusions des Assises nationales, articuler un programme qui reflète les sensibilités et les réalités que le cours des événements intervenus depuis la fin des Assises a permis de mieux cerner dans leur dynamique porteuse d'espoir. Voilà pourquoi certaines conclusions des Assises ont été enrichies, affiné, adapté, rendu plus opérationnel, conférant ainsi une identité propre à l'orientation et au contenu du programme Tahawtem. Ceci grâce à une équipe soudée d'experts, de techniciens, d'hommes et de femmes de terrain qui ont mis leur savoir-faire et leur savoir-être au service de notre cause commune, une équipe dont il me plaît ici de saluer le dévouement patriotique exemplaire. Rassembler les patriotes, c'est enfin accompagner par la parole et par les actes le citoyen et la citoyenne ordinaire dans l'identification
sans concession ni démagogie, des mots qui affectent notre vie au quotidien, mais également c'est leur tendre une main fraternelle pour relever les défis de notre sursaut collectif. Mesdames, Messieurs, le deuxième principe d'action de notre programme porte sur la réhabilitation des valeurs. Face aux contre-valeurs qui prospèrent, qui ébranlent les fondements de notre patrimoine moral, culturel et religieux, et qui menacent dangereusement notre solidarité et notre devenir en tant que nation. C'est la raison pour laquelle le programme Tahaoutem met un accent tout particulier sur le double impératif de lutte contre les antivaleurs et de réappropriation du djom, du djoub, du djoubel, du djoubeldi, du manou, du samsakad. Cet impératif, nous proposons de le réaliser à travers l'adoption d'une charte sociopolitique consensuelle de refondation de nos valeurs. Surtout, nous voulons le réaliser par la réintégration des dites valeurs dans l'éducation au sein de la famille, à l'école, dans les structures sociales, au niveau de l'État, comme dans les associations et autres cadres d'éducation citoyenne. Sur ce registre, une responsabilité de tout premier plan revient aux adultes, aux éducateurs, aux dirigeants à tous les niveaux, mais aussi aux médias dont l'influence sur la jeunesse est considérable. À cet égard, nous nous réjouissons de l'action d'éveil et de conscientisation citoyenne jouée par de nombreux groupes artistiques de jeunes, notamment des ensembles de hip-hop, de reggae, de slam, de ram, de rap, ainsi que par le groupe Yanamar. Mesdames, Messieurs, la restauration de l'état de droit, troisième pilier de notre programme de gouvernement, relève de l'évidence. Tant le droit est bafoué, l'État assujetti, les institutions décrédibilisées, la Constitution galvaudée, la justice asservie, l'administration démantelée, l'impunité fréquente, la rigueur dans la gestion enterrée, la médiocrité célébrée, la règle ignorée, l'arbitraire imposé, la prévarication et les scandales banalisés. Cette situation catastrophique nous a conduit à Tahaoutem à placer le renforcement de la démocratie, la bonne gouvernance et l'état de droit au cœur de notre approche de la gestion des affaires publiques. Sous ce rapport, quatre directions structurent le développement et des propositions d'action portant sur la restauration de l'état de droit. Il s'agit d'abord de la réforme des institutions, y compris de la Constitution, et avec elle,
du changement de régime politique. Il s'agit ensuite de la refondation de la gouvernance électorale pour y assurer une démocratie participative, de la transparence et de la crédibilité. Il s'agit aussi de réformer l'administration pour plus d'autonomie, de neutralité, d'efficacité et de proximité avec le citoyen, de conférer au pouvoir judiciaire une réelle indépendance et de garantir une bonne administration de la justice. Il s'agit enfin de veiller au bon fonctionnement et à l'efficience des mécanismes autonomes de contrôle et d'inspection afin de sauvegarder l'utilisation judicieuse des deniers publics ainsi que de mettre en place un cadre et des moyens pour le développement d'une vraie culture de la citoyenneté permettant à tout un chacun de jouer son rôle dans le strict respect de ses droits et de ses devoirs. Mesdames, Messieurs, autant par son volet social que par son volet économique, le développement humain présente un tableau cliniquement préoccupant en raison de la dégradation avancée de la situation socio-économique du pays. C'est pourquoi la relance de ce quatrième pilier de notre programme de gouvernement constitue un défi majeur. S'agissant de l'éducation et de la formation, l'état de délabrement actuel du secteur impose, selon nous, une approche globale de diagnostic exhaustif et de thérapie progressive dans le cadre de la tenue d'états généraux de l'éducation et de la formation, avec la participation de tous les acteurs concernés à tous les niveaux et dans toutes les filières d'éducation et de formation. Toutefois, des pistes de réflexion et d'action à court et à moyen terme sont tracées dans le programme, qu'il s'agisse de l'enseignement ou de la recherche, de la dualité enseignement général-enseignement technique ou encore du binôme système d'éducation et de formation francophone et système d'éducation et de formation arabophone, ou qu'il s'agisse enfin des réformes à apporter à l'université et à l'enseignement supérieur de façon générale. Quant à la santé et à la protection sociale, le programme soumis à votre attention comporte des avancées notables s'agissant de la prise en charge des malades en général et en particulier de ceux du troisième âge ainsi que des personnes défavorisées ou souffrant de handicap. Il en est de même pour l'équipement des structures hospitalières et la formation conséquente de médecins spécialisés. Naturellement, le volet social du programme Tahoterm accorde aussi une importance spéciale à l'emploi des jeunes et des femmes notamment, avec une approche innovante fondée sur le recours au recrutement dans la fonction publique, mais aussi et surtout dans le secteur privé, ainsi que sur le recours à la réalisation de grands travaux qui, comme on le sait, sont de grands pourvoyeurs de main-d'œuvre, sans pour autant oublier
la promotion de l'entrepreneuriat et l'appel à des financements de projets par des structures financières spécialisées. Enfin, la réforme foncière figure naturellement en bonne place dans le volet social du programme Tahotem, compte du maintenu des récents événements scandaleux de Sangalgam, de Fanaï et autres localités. L'objectif ici étant de mettre en œuvre une politique respectueuse des droits des hommes, des droits des femmes, ainsi que du droit des générations présentes et futures. Une politique soutenue par un souci constant de prévention et de répression des manœuvres d'accaparement des terres. Le volet économique de la relance du développement humain occupe tout naturellement une place centrale dans le programme Tahotem. Il embrasse l'amélioration et la modernisation de la gestion de nos finances publiques, l'orientation de nos politiques commerciales en vue de promouvoir le développement économique, la réforme en profondeur de l'agriculture ainsi que de l'élevage, la protection des ressources halieutiques et la relance de la pêche, tant artisanale qu'industrielle, le redressement de notre industrie et de notre artisanat, la promotion des PME ainsi que du tourisme et des industries culturelles. Enfin, la mise à niveau des transports, aussi bien terrestres qu'aériens et maritimes, ainsi que le recours volontariste aux énergies renouvelables, notamment à l'énergie solaire, tout comme aux technologies de l'information et de la communication, sont également partie intégrante du volet de développement humain, sans oublier l'artisanat et l'environnement. Mesdames, Messieurs, aucun programme de gouvernement crédible, du moins, ne saurait passer sous silence la gravissime situation qui prévaut en Casamance depuis une trentaine d'années et qui s'est beaucoup détériorée au cours de la décennie qui s'achève, malgré un engagement pris il y a 11 ans d'y faire régner la paix en l'espace de 100 jours. Dès le 9 juin 2011, dans notre déclaration de candidature, nous avions esquissé une approche de règlement fondée sur trois composantes. D'abord, l'implication centrale des ressortissants de la Casamance dans tout processus de règlement. Ensuite, l'association des gouvernements gambiens et bissau-guinéens aux côtés du gouvernement sénégalais à toute recherche d'une paix durable. Et enfin, naturellement, des négociations avec les représentants de toutes les branches du MFDC dans une perspective de résolution définitive fondée sur un compromis historique. Le gouvernement a renoncé à son approche unilatéraliste et solitaire. Nos propositions sur la Casamance font naturellement partie intégrante des 111 propositions d'action tirées de notre programme Tahotem. Enfin, le volet relations extérieures du programme Tahotem s'appesantit sur la nouvelle politique de visa,
sur l'impératif d'intégration en Afrique, sur la coopération internationale et sur l'amélioration de la démocratisation de la gouvernance mondiale. Dans ce cadre, un accent spécial est également mis sur le rôle et la place de la diaspora sénégalaise dans le dispositif institutionnel national comme dans les investissements en vue du développement national, ainsi que sur les droits de représentation des émigrés sénégalais et sur le droit de retour sur la terre sénégalaise. Mesdames, Messieurs, après ces développements généraux, permettez-moi de citer quelques mesures phares parmi les 111 propositions d'action que compte notre programme. Au plan politique et au plan institutionnel, outre la réhabilitation des valeurs et la mise en place d'un régime de type parlementaire, un parlementarisme rationalisé qui respecte la séparation des pouvoirs, outre cela, nous entendons moderniser le système partisan, garantir la transparence et le caractère consensuel du système électoral, notamment avec la mise en place d'une haute autorité des élections à la place du ministère et à la place du Sénat, pour que, comme dans tous les pays démocratiques africains qui servent d'exemple, les élections soient gérées en dehors du gouvernement. Car c'est de cette façon que l'on peut garantir la transparence et le caractère consensuel du système électoral. Nous proposons également d'œuvrer pour un système médiatique professionnel et démocratique, garantir les droits et libertés, rendre à notre diplomatie son lustre d'antan. Car le Sénégal, petit pays qu'il est, était connu pour être une puissance diplomatique, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Nous entendons donc de redonner à la diplomatie son lustre d'antan. Dans le même ordre d'idée, l'accent a été particulièrement mis sur l'intégration régionale comme axe stratégique de développement. Je suis heureux de le dire devant le candidat Moussa Touré, qui a exercé pendant plusieurs années les responsabilités de président de la commission de l'IMOA, qui est une institution centrale d'intégration. S'agissant de la Casamance, qui constitue l'une des surpriorités, c'est à un véritable plan Marshall que nous appelons, afin de donner corps à une vraie ambition pour cette région qui a trop souffert. Naturellement, la diaspora occupera une place non seulement en raison de ce qu'elle apporte annuellement par ses transferts évalués à près de 700 milliards de francs CFA, supérieure à l'aide publique au développement apportée par nos comptes, par les partenaires au Sénégal, mais cette diaspora doit être au centre également de nos préoccupations par son extraordinaire potentiel et le rôle qu'elle doit jouer dans la promotion de l'investissement. Elle a également besoin d'être protégée et c'est pour cette raison que nous mettons en place la Caisse des Sénégalais de l'extérieur et que nous envisageons également de veiller
à ce que la diaspora soit dûment représentée dans les institutions représentatives sénégalaises et que des politiques d'encouragement du retour de nos expatriés au Sénégal soient mises en place. En matière de visa, nous orientons notre politique vers l'application progressive du principe de réciprocité. Du principe de réciprocité à l'égard des pays qui exigent des visas de nos compatriotes. Enfin, la décentralisation sera repensée afin de créer des pôles régionaux de compétitivité et pour remettre la région au centre du développement. Dans ce cadre, un réaménagement territorial est envisagé pour sortir des régions créées artificiellement pour des raisons d'opportunité politique et pour créer un véritable aménagement territorial sur la base d'équipes pluridisciplinaires qui pourront réellement aboutir à l'aménagement de régions qui seront chacune un pôle de développement conséquent afin que, d'une part, la décentralisation puisse avoir une signification conséquente et que, d'autre part, il soit possible de freiner l'exode rural en créant au niveau des régions des pôles de développement susceptibles de retenir les ressortissants des régions. Une banque des collectivités locales sera à cet effet créée afin de renforcer les moyens financiers des collectivités locales et veiller à ce qu'elles soient intégralement orientées vers le développement et le bien-être des populations. L'ensemble des réformes politiques et institutionnelles sera achevé, Inch'Allah, dans un délai qui ne saurait dépasser 2 ans. Au plan économique, la fiscalité sera revue avec la création d'une haute autorité de la fiscalité avec pour objectif de moderniser l'ensemble de notre fiscalité pour la rendre à la fois plus juste, plus transparente et surtout pour la mettre davantage au service du développement. Le secteur privé sera encouragé avec notamment des mesures discriminatoires en faveur des PME, en faveur des PME et de tout le secteur productif national afin de stimuler la demande, car il est inconcevable qu'au Sénégal, on encourage l'implantation et le développement de sociétés étrangères et on s'en prend à des sociétés nationales autant. Il est également proposé la création d'une banque des PME afin d'accélérer le processus de création de richesses, à commencer par l'emploi. Cette banque sera ouverte à toutes les PME nationales, aux artisans, aux pêcheurs, aux pasteurs, aux agriculteurs, aux sociétés intervenant dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux artistes. Elle devra encourager le passage aux techniques modernes de gestion. Et cette banque des PME, tout comme les institutions de microfinance, seront appuyées afin de bénéficier de ressources concessionnelles susceptibles de réduire les taux d'intérêt.
le même ordre d'idée. Le programme encourage le recours aux techniques avérées des banques islamiques et s'agissant de la politique commerciale, elle sera mise au service de la protection de l'entreprise, de la valorisation des produits nationaux et de la production de façon générale afin de réformer en profondeur notre agriculture et notre élevage, de protéger nos ressources halieutiques, de redresser notre industrie et d'encourager l'artisanat. Nous ne pouvons plus laisser les importations détruire progressivement la production nationale. Le gouvernement a renoncé à son approche unilatéraliste et solitaire. Nos propositions sur la casamance font naturellement partie intégrante des 111 propositions d'action tirées de notre programme d'Arrotel. Enfin, le volet relations extérieures du programme Tahaoter s'appesantit sur la nouvelle politique de visa, sur l'impératif d'intégration en Afrique, sur la coopération internationale et sur l'amélioration de la démocratisation de la gouvernance mondiale. Dans ce cadre, un accent spécial est également mis sur le rôle et la place de la diaspora sénégalaise dans le dispositif institutionnel national comme dans les investissements en vue du développement national ainsi que sur les droits de représentation des émigrés sénégalais et sur le droit de retour sur la terre sénégalaise. Mesdames, Messieurs, après ces développements généraux, permettez-moi de citer quelques mesures phares parmi les 111 propositions d'action que compte notre programme. Au plan politique et au plan institutionnel, outre la réhabilitation des valeurs et la mise en place d'un régime de type parlementaire, un parlementarisme rationalisé qui respecte la séparation des pouvoirs. Outre cela, nous entendons moderniser le système partisan, garantir la transparence et le caractère consensuel du système électoral, notamment avec la mise en place d'une haute autorité des élections, à la place du ministère et à la place du Sénat, pour que, comme dans tous les pays démocratiques africains qui servent d'exemple, les élections soient gérées en dehors du gouvernement. Car c'est de cette façon que l'on peut garantir la transparence et le caractère consensuel du système électoral. Nous proposons également d'œuvrer pour un système médiatique professionnel et démocratique, garantir les droits et libertés, rendre à notre diplomatie son lustre d'antan. Car le Sénégal, petit pays qu'il est, était connu pour être une puissance diplomatique, ce qu'il n'est plus aujourd'hui. Nous entendons donc de redonner à la diplomatie son lustre d'antan. Dans le même ordre d'idée, l'accent a été particulièrement mis sur l'intégration régionale comme axe stratégique de développement. Je suis heureux de le dire devant le candidat Moussa Touré, qui a exercé pendant plusieurs années
les responsabilités de président de la commission de VMOA, qui est une institution centrale d'intégration. S'agissant de la Casamance, qui constitue l'une des surpriorités, c'est à un véritable plan Marshall que nous appelons, afin de donner corps à une vraie ambition pour cette région qui a trop souffert. Naturellement, la diaspora occupera une place non seulement en raison de ce qu'elle apporte annuellement par ses transferts évalués à près de 700 milliards de francs CFA, supérieurs à l'aide publique au développement apportée par les partenaires au Sénégal, mais cette diaspora doit être au centre également de nos préoccupations par son extraordinaire potentiel et le rôle qu'elle doit jouer dans la promotion de l'investissement. Elle a également besoin d'être protégée. Et c'est pour cette raison que nous mettons en place la Caisse des Sénégalais de l'extérieur et que nous envisageons également de veiller à ce que la diaspora soit dûment représentée dans les institutions représentatives sénégalaises et que des politiques d'encouragement du retour de nos expatriés au Sénégal soient mises en place. En matière de visa, nous orientons notre politique vers l'application progressive du principe de réciprocité. Du principe de réciprocité à l'égard des pays qui exigent des visas de nos compatriotes. Enfin, la décentralisation sera repensée afin de créer des pôles régionaux de compétitivité et pour remettre la région au centre du développement. Dans ce cadre, un réaménagement territorial est envisagé pour sortir des régions créées artificiellement pour des raisons d'opportunité politique et pour créer un véritable aménagement territorial sur la base d'équipes pluridisciplinaires qui pourront réellement aboutir à l'aménagement de régions qui seront chacune un pôle de développement conséquent afin que, d'une part, la décentralisation puisse avoir une signification conséquente et que d'autre part, il soit possible de freiner l'exode rural en créant au niveau des régions des pôles de développement susceptibles de retenir les ressortissants des régions. Une banque des collectivités locales sera à cet effet créée afin de renforcer les moyens financiers des collectivités locales et veiller à ce qu'elles soient intégralement orientées vers le développement et le bien-être des populations. L'ensemble des réformes politiques et institutionnelles sera achevé, Inch'Allah, dans un délai qui ne saurait dépasser 2 ans. Au plan économique, la fiscalité sera revue avec la création d'une haute autorité de la fiscalité avec pour objectif de moderniser l'ensemble de notre fiscalité pour la rendre à la fois plus juste, plus transparente et surtout pour la mettre davantage au service du développement. Le secteur privé sera encouragé
avec notamment des mesures discriminatoires en faveur des PME, et de tout le secteur productif national afin de stimuler la demande, car il est inconcevable qu'au Sénégal, on encourage l'implantation et le développement de sociétés étrangères et on s'en prend à des sociétés nationales autant. Il est également proposé la création d'une banque des PME afin d'accélérer le processus de création de richesses, à commencer par l'emploi. Cette banque sera ouverte à toutes les PME nationales, aux artisans, aux pêcheurs, aux pasteurs, aux agriculteurs, aux sociétés intervenant dans les technologies de l'information et de la communication, ainsi qu'aux artistes. Elle devra encourager le passage aux techniques modernes de gestion. Et cette banque des PME, tout comme les institutions de microfinance, seront appuyées afin de bénéficier de ressources concessionnelles susceptibles de réduire les taux d'intérêt. Dans le même ordre d'idée, le programme encourage le recours aux techniques avérées des banques islamiques et s'agissant de la politique commerciale, elle sera mise au service de la protection de l'entreprise, de la valorisation des produits nationaux et de la production de façon générale afin de réformer en profondeur notre agriculture et notre élevage, de protéger nos ressources halieutiques, de redresser notre industrie et d'encourager l'artisanat. Nous ne pouvons plus laisser les importations détruire progressivement la production nationale. Notre politique de tourisme sera réorientée dans le sens du développement d'une nouvelle approche associant davantage les populations pour un tourisme intégré et durable, un tourisme plus attractif par la réduction des surtaxes et taxes qui alourdissent les billets d'avion et plombent la destination Sénégal, mais aussi un tourisme respectueux des valeurs morales et culturelles. En ce qui concerne les industries culturelles, outre la protection sociale des artistes, nous entendons en même temps le Bureau des droits d'auteur sous la responsabilité des artistes leur restituer la gestion des droits d'auteur afin de leur permettre de vivre dignement de leur talent. Au plan énergétique, l'ensemble du secteur fera l'objet d'audits approfondis pour réprimer toutes les malversations financières éventuelles et redresser les dysfonctionnements passés et présents. Par ailleurs, une politique volontariste de détaxe des produits entrant dans l'utilisation des énergies renouvelables sera mise en œuvre pour encourager le recours systématique aux énergies renouvelables pour les ménages, les entreprises, mais également l'État qui devra montrer l'exemple en termes d'efficacité énergétique. Par ailleurs, les sociétés publiques intervenant dans l'habitat, notamment la Banque de l'Habitat du Sénégal, la CITAP et l'OHLM devront recentrer leur activité sur l'habitat social et le Sénégal
doit absolument développer la production locale des outils et matériaux de construction. Il s'agira donc pour la BHS, la SICAP et l'OHLR de revenir à leur mission initiale de dévouement à la cause des couches laborieuses et d'abandonner définitivement l'orientation actuelle vers la construction de logements de luxe. S'agissant du transport, nous entendons réhabiliter le transport ferroviaire pour raccorder les principales villes du Sénégal. Et pour faire des ports de la frange maritime, Dakar, mais aussi Saint-Louis, Kaolack et Ziguinchor, les ports naturels des pays enclavés de la sous-région. Enfin, toute la politique aérienne, confrontée à des difficultés structurelles aggravées par un laxisme et une fuite en avant par la création d'un pavillon national, politique irréaliste et dispendieuse, mais surtout condamnée à l'échec, comme cela a été déjà montré par deux fois avec des compagnies nationales, cette politique sera repensée sur une base au moins régionale, afin de rendre nos investissements rentables et pérennes. Les infrastructures récentes seront auditées. Un plan d'entretien et de réhabilitation des routes sera mis en œuvre en privilégiant les travaux à haute intensité de main-d'œuvre pour développer l'emploi des jeunes, notamment. Il importe également de rendre nos routes moins meurtrières par la mise en place d'un vrai programme de formation, par la cessation de certaines pratiques, ainsi que par la mise en place d'un contrôle technique strict et sans complaisance, y compris et en premier lieu par le respect par l'État de ce contrôle technique. Une offre de véhicules low cost sera développée afin d'accélérer le rajeunissement du parc et faciliter l'accès de nos compatriotes à des véhicules bon marché et de qualité. Notre politique hydraulique sera repensée afin de mieux utiliser nos ressources en eau et nous fondrons en un plan cohérent toutes les initiatives éparses prises ou annoncées sans être réalisées. C'est le cas notamment de notre volonté de reprendre la création et la construction du canal du Kayo, mais aussi de renforcer la politique dite des vallées fossiles ainsi que des baleines, des bassins de rétention. Au plan social, concernant le vaste secteur de l'éducation et de la formation, secoué depuis des années par une grave crise, le programme propose de rétablir l'égalité des chances par la généralisation de l'enseignement préscolaire qui doit être obligatoire pour tous les Sénégalais, en français comme dans les langues nationales. La recherche et le développement seront réhabilités avec notamment la création d'un centre national de la recherche scientifique et technique qui coordonne toute la politique de recherche dans le cadre d'une seule entité avec des chercheurs et des enseignants-chercheurs dont la carrière sera assurée dans le cadre d'un statut motivant et exigeant.
un autre volet des états généraux de l'éducation et de la formation que nous proposons d'organiser sera consacré au rapprochement et, si possible, à la fusion de l'enseignement francophone et de l'enseignement arabophone en lieu et place de l'actuelle dichotomie qui consiste à avoir dans un même pays l'enseignement en français, l'enseignement en arabe, sans possibilité de passerelle véritable et dans la méfiance de l'un des enseignements par rapport à l'autre et dans le cadre d'une discrimination à l'égard de l'enseignement arabe qui ne saurait se justifier. S'agissant de la santé, l'ensemble des programmes concernant les grandes endémies sera mutualisé à des fins d'efficience. Toutes les structures publiques seront dotés de moyens techniques requis et les hôpitaux régionaux disposeront de toutes les spécialités et des mécanismes d'incitation encourageront la spécialisation des médecins généralistes afin justement de doter les hôpitaux régionaux de spécialités qui éviteraient d'avoir toujours à évacuer les grands malades vers Dakar. Cette politique ambitieuse de la santé pourra être menée à son terme, nous l'espérons, Inch'Allah, en 5 ans, notamment via le prélèvement de taxes spécifiques sur les produits qui altèrent la santé, à commencer par l'alcool et le tabac. Quant à la gratuité des soins de santé primaire pour tous et de prise en charge de la maternité et des maladies liées au troisième âge, ainsi qu'en faveur des personnes handicapées, cette gratuité sera effective dès la première année, c'est-à-dire en 2012, Inch'Allah. Pour ce qui est des inondations, il importe que ce phénomène qui ne cesse de s'aggraver d'année en année soit sérieusement traité, avec d'une part la construction des infrastructures d'assainissement requises lorsque la situation peut être améliorée, mais également la prise de mesures hardies en ce qui concerne le nécessaire recasement des populations lorsqu'elles sont installées dans des zones dont l'assainissement est réellement impossible. Il s'agira dans ces cas-là de promouvoir une politique de recasement financée naturellement par les pouvoirs publics. S'agissant de la politique envers les jeunes et de la promotion du sport, notre politique sera basée sur la formation, mais aussi sur la création, dans chaque département, dans un premier temps, de plateaux multifonctionnels regroupant des infrastructures culturelles et sportives. Ces plateaux, gérés par les jeunes et les sportifs, devront être animés en revisitant notre histoire et en nous projetant dans l'avenir, en faisant confiance au potentiel créatif et au sens de l'émulation des jeunes. Ils permettront notamment d'occuper les jeunes et les sportifs pendant leurs heures de loisirs. Dans ce contexte, nous veillons à restituer le stade Hassan Diouf aux jeunes et aux sportifs en y installant le plateau multifonctionnel du département de Dakar. Le sport sera déclaré d'utilité publique de façon à encourager les annonceurs à investir dans le sport et à aider à la professionnalisation progressive du sport d'élite.
Concernant par ailleurs le domaine foncier, un accent particulier sera mis sur l'accès à la propriété par une profonde réforme de la politique foncière afin d'en assurer la transparence et le caractère équitable, afin aussi de réexaminer toutes les attributions foncières scandaleuses récentes et de combattre de manière résolue l'accaparement des terres qui est à la base de trop de spoliation et de combat. Le plus important reste, sur le plan social, que l'ensemble de ces réformes permettent de renforcer la solidarité nationale. Pour cela, nous avons décidé d'élargir la protection sociale à tout le secteur informel, aux artistes, aux personnes défavorisées, aux journaliers, aux intérimaires, aux travailleurs sous contrat à durée déterminée, aux professions libérales. S'agissant des retraites, elles seront relevées au niveau du SMIC mensuel. Et les salaires de moins de 100 000 francs CFA en 2012 seront défiscalisés lorsqu'ils seront défiscalisés. Enfin, la couverture médicale universelle sera progressivement mise en œuvre. Mesdames, Messieurs, la liste est longue. Elle comporte 111 mesures, certes volontaristes, mais qui, après une longue analyse, sont toutes réalistes et toutes faisables dans des délais raisonnables, pourvu qu'on soit animé d'une réelle volonté politique. Pourvu qu'on soit animé d'une volonté politique et pour autant que nous pensions aux populations, pour autant que l'éthique soit remise au centre des décisions, pour autant que nous voulions développer notre pays en luttant contre la corruption et pour autant que les meilleures compétences de notre pays soient sollicitées. Toutes ces priorités doivent permettre d'abord de créer un large consensus autour d'axes majeurs de progrès et d'entrer progressivement une vision partagée par tous les Sénégalais. Avec un État ambitieux dans son rôle de stratège et dans ses responsabilités en ce qui concerne la sauvegarde de l'intégrité territoriale, le rayonnement diplomatique et les libertés publiques, un État juste et efficace dans sa capacité à faire respecter l'État de droit, pertinent et cohérent dans ses politiques, mais également modeste dans son train de vie. Et dans ce cadre-là, nous envisageons la suppression du Sénat, la réduction du nombre des députés de 150 à 100, la réduction de moitié des effectifs du gouvernement qui aujourd'hui sont à 38 et la réduction du nombre considérable des ministres conseillers à la présidence de la République. Nous voulons donc rendre le train de vie de l'État modeste, le tout en réhabilitant l'effort, le sérieux, la compétence, la probité, la justice, l'équité et la transparence. Une telle approche devra permettre de libérer enfin au Sénégal l'exceptionnelle potentialité d'énergie positive, de créativité, de talent,
de volonté d'entreprendre afin que chacun joue sa partition au service de la collectivité avant de penser à son bonheur personnel. Il ne saurait y avoir plusieurs Sénégal. La sauvegarde de la cohésion sociale est une urgence absolue. Comme le disait l'autre, si on ne peut pas changer de pays, il faut changer le pays. Nous sommes prêts, dans ce contexte, à diriger le pays sur une base programmatique claire, largement inspirée des assises nationales et de notre rencontre avec nos compatriotes, en réhabilitant quelques notions simples comme la compétence, l'intégrité morale et la probité financière, le sérieux, en étant comptable de nos actes devant le peuple et devant les institutions, dotés de suffisamment d'indépendance pour que la volonté populaire soit respectée. Nous sommes prêts à servir en restant indépendants de tous les groupes de pression et en ayant comme seule ambition le bien-être de notre peuple, le Sénégal. Je vous remercie de votre attention. Merci.